Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon matin, bon après-midi. Bonjour Julie, bonjour Béa. J'espère que vous allez bien. Euh, C'est quand même très lumineux. Je ne sais pas moi si vous trouvez ça trop lumineux. Euh je vais attendre que vous, les gens euh, arrivent. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on fasse un petit euh, un petit flip euh, du, du livre euh, de Amandine, du nouveau livre. J'ai toutes les images imprimées, si jamais ça vous tente. Bonjour Elsa, ça va bien? Bonjour Colericat. Je ne vous pas demandé Julie ni Béa, est-ce que vous allez bien? Donc, euh, vous voyez que j'ai quand même, en tout cas, je, je trouve que j'ai quand même bien avancé mon, mon, mon dessin. Euh, je ne vais pas, pas m'arrêter. Euh, C'est ça. <laughs> Puis ça commence vraiment à donner ce que je voulais. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Bonjour, Mel. Bonjour, Kat. Oui, moi ça va super bien. Je suis super contente. Euh, vraiment, euh, ce, ce, le livre d'Amandine cette semaine m'a fait euh, vraiment euh, m'a tellement inspirée, je ne sais pas. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai colorié de façon plus euh, euh, soutenue versus les dernières semaines. Donc euh, je suis vraiment contente. Ça, c'était euh, ma page préférée. C'est vrai que je commence avec euh, ma page euh, préférée du livre, mais je ne pouvais pas m'empêcher parce que j'avais vraiment une idée qui, qui, me, qui, me, qui me tentait là, beaucoup. J'avais vraiment envie de faire euh, un style euh, monochrome, mais il n'est pas, pas monochrome, mais un style comme vraiment dans de l'eau euh, un peu euh, bleu-verte. Puis que la sirène soit. Euh, Bleu-vert aussi, puis que là, je sais pas si on voit bien. Comme je vous dis, c'est quand même très lumineux. Là, me Moi, si vous trouvez ça trop lumineux, mais euh, j'ai mis du bleu-vert aussi dans le poil du loup. J'ai fait la même chose là, pour euh, ses yeux et tout. Et là, je suis en train de. Euh, il me manque la queue, puis il me manque à finir euh, un peu le, le récif que je voulais qu'il soit exactement la même, un peu similaire avec la. la, la la sirène parce qu'il est comme dans, dans de l'eau euh, style euh, brouillé. C'est pour ça que c'est tout dans les mêmes couleurs. Ah ben euh, oui, effectivement, Julie, je, je, je continue finalement l'illustration. Peut-être que je vais la finir. Ce serait bien. <laughs> Merci, Béa. Bon matin, Jennifer. Merci, Elsa. Donc, je pense que ce que je vais faire avec vous. Je m'étais laissé les, les queues du loup. Les trois queues du loup. Euh, euh, donc, euh, je vais faire ça avec vous parce que je vais vous montrer un peu. J'ai fait un style... Euh, un style euh, effet poil, mais très léger, juste pour donner un peu de texture, un peu de volume au, au loup. Et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Je, dit, je me suis laissé cette portion-là. Puis j'ai fait toute cette portion là aussi fait que peut-être qu'on va vous faire aussi l'autre la, portion euh, du, du genre de récif ben, je sais pas si un récif là, mais le fond de l'eau comme ça je sais pas encore quelle couleur je vais faire mais, mes genres d'algues euh, ni mes petits les, les, les genres de petits nénuphars comme ça on verra rendu là mais bon on va faire ça c'est le plan aujourd'hui ah ben parfait parfait c'est génial pour la nouveauté merci j'ai Ah, mais je vais vous montrer. Je, je, je... Bon, je vais quand même vous montrer le, le livre, faire un petit flip. Je sais qu'il y, y a certaines personnes qui l'ont fait, mais j'ai vraiment envie de vous le montrer parce que, bon, je l'aime beaucoup. Je sais pas euh, pourquoi, mais j'ai eu un petit coup de cœur euh, pour ce livre. Bon, j'ai dû me le prendre en, en PDF parce que <laughs> sinon la livraison est trop chère. Il eu, euh, y a eu une problématique avec euh, l'imprimante. Euh, c'est jaune au lieu d'être rouge. Fait que je vais le réimprimer. Une chance, ce n'est pas arrivé pour. Euh, ben, c'est arrivé. Ça, ce n'est pas du carton que j'utilise pour colorier. Mais ça, oui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir euh, l'ajuster avec euh, un crayon rouge, tout simplement. Mais bon, c'est très, très lumineux. Hein? On ne voit pas bien les, les images. Euh, j'ai fait que j'ai tout mis sur du carton je n'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le je l'ai pas encore euh, comment dire euh, relié parce que justement j'ai eu un problème euh, d'impression donc euh, voilà mais ça c'est tout sur du papier euh, que j'utilise euh, j'ai plus le nom c'est du papier euh, mix media que j'utilise pour faire euh, mes, mes mes coloriages euh, donc, on va continuer. J'aime beaucoup le. Je pense que. Ok. Je pense que je sais pourquoi je l'aime. Euh, merci, Sonia. Euh, je sais pourquoi je l'aime ce, ce, ce livre-là parce qu'il y, y, y a un aspect Halloween, je pense. C'est avec les, les petits. Pour moi, les petits fantômes, les chauves-souris, les citrouilles. Fait que c'est peut-être pour ça que <laughs> j'aime beaucoup le livre. Euh, donc on a les. les euh, la page test. Écoutez, juste ça, c'est cute. Avec le la peinture, là. Puis le... le, le fantôme qui est genre un, un Picasso avec son. Avec son kit. Je trouve tellement cool les... les L'aspect un peu Halloween, justement, avec la, 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 la toile d'araignée. Bon, elle est belle aussi, là. La, la grand-mère, mais... J'adore cette image. Avec les, euh, les citrouilles. Quoi de mieux? Ça fait vraiment euh, Halloween. Et les chauves-souris, là. les petits euh, les petits euh, mariés regardez les bouquets avec les petits, euh, les petits fantômes c'est tellement cute j'adore ça aussi, ça fait très euh, sorcière c'est la grand-mère qui, qui concocte des choses ça fait très sorcière aussi avec euh, les potions ici là j'aime beaucoup bonjour Amandine ça va bien c'est celle- là ton illustration préférée euh, Béa? La, la, elle est vraiment belle et comme euh, toute euh, calme toute sereine mais comme euh, ça fait vraiment cest ça ça fait vraiment sorcière en même temps euh, j'aime beaucoup celle-là celle aussi avec les les, les toiles d'araignée, J'aime tellement ça. Non, celle-là? C'est l'étoile d'araignée avec tous leurs détails là, de la branche d'âme. <laughs> Mon dieu, ben merci, euh, <laughs> mais merci, Amandine. Mais c'est plate pour la, la, la COVID, par contre. Celle-là. C'est ça, ça que je vous dis. Je pense que c'est un coup de cœur parce que c'est vraiment un style euh, Halloween. Ça vient vraiment me, me chercher. Avec la, la genre de. la, la, mais on, la cuillère en forme de, de tête de tête de mort. J'aime fou le ah Celle-là, celle on l'a vu Ça m'a donné le goût de la colorier tout de suite quand on a vu cette image-là. Vraiment. avec euh, moi, j'aime beaucoup l'image, mais le loup avec son, son petit. Euh, J'adore. Son petit béret. Tu, as cette cuillère-là avec la tête d'or? De... Oh mon dieu. Mais là, ça m'en prend. Ça m'en prend. Il euh, va falloir que je change toutes mes, mes, euh, mes cuillères. pour ça. Je savais pas. Ça existait. Il est tellement cute. J'aime beaucoup celle-là avec le, le look que ça donne. Là. Je pense que c'est la, la, la couverture, mais j'aime beaucoup le, ce que ça donne. Le, le, le style avec. Euh, ça fait style creepy en plus, euh, style Halloween avec les. les, 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 euh, les euh, le style cimetière et tout. J'adore. Ça fait pirate avec la map. La carte, on va parler en français. Oui, le vitraux. C'est qui qui, qui disait qu qu'il aimait le, le vitraux? Euh... Le Sonia. Le, je suis d'accord avec toi. Le loup, le vitrail comme ça avec le loup, il est tellement beau. Oh! Bon, j'aime bien aussi les têtes de mort, là. Mais euh, la tête de mort, mais il est vraiment beau. celui aussi. Moi, c'est parce que j'aime le loup. Je le trouve tellement cute. Avec, avec la citrouille. La, la <laughs> on, 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 L'herbier comme ça, là. Genre le, le, les dracules, comme si c'était pour euh, Dracula et tout, là. Moi, ça me fait, mortier, ça me fait penser à Morticia. C'est. Euh, ouais. C'est très, très concept. J'adore. celui-là les petits les petits fantômes qui qui, qui tripent leur vie avec la citrouille il, il y a ça aussi les os qu'on voit plus, plus, plus qu'une fois avec le, son, son petit animal oh, j'adore bonjour Émilie ça va bien à la maison je vais ça fait euh, ça fait Halloween mais ça me donne le goût de le faire ben ça fait aussi Noël comme je suis pas très Noël je pense que ce serait mon genre euh, euh, ce serait mon genre de l'affaire pour Noël avec la, la neige, la glace et tout. C'est vraiment cool pour ça. Ouais, hein? <laughs> ça fait mort, le Loulou! Il je, 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 est vraiment bien, bien fait. Je l'aime beaucoup. Faut se le dire, j'aime beaucoup la petite, euh, la petite boucle d'oreille ici. Cette, ce, cette illustration-là. Quoi dire euh, C'est tellement cool le, le genre d'étagère de, 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 en style de coffre de coffre de, de, de cercueil, trop cool. La la, 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 la grand-mère avec le, le fishnet ou ben pas c'est fishnet mais le truc en style de toile d'araignée, le loup en arrière. Euh, puis, Je trouve ici, ça, ben en fait, c'est un, un rappel à, à la petite sirène. J'adore. J'adore tous les petits détails. Ah, et puis celle-là, il est super cool, mais là, j'ai juste la version de Panorami en tête. C'est Panorami qui l'a fait, hein? Tellement beau. C'est aussi super. Je, je pense que j'aime toutes les images. Ils ont tous... Euh... Euh, quelque chose de, que, que j'aime dans l'illustration. Bon, effectivement, là, j'aime la, la citrouille. Il euh, est tellement cute. Avec le petit euh, le petit écureuil <laughs> qui, qui est comme fâché. Moi, c'est les détails là, avec le chapeau ici qu'on retrouve plus loin, les, 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 les petites citrouilles ici. J'aime beaucoup. Avec le petit chat, c'est trop cute. Oui, la grand-mère est canon. Le chasseur. Très, euh, fait Qui fait, fait très euh, autochtone. Ça me donne vraiment envie de faire. Euh... Euh, avec vraiment les les, euh, les couleurs euh, des d'une communauté autochtone. Là, je ne sais pas encore laquelle. Là. Mais j'ai eu un problème d'impression im, avec les couleurs sur le visage parce qu'il y a des lignes sur le, le visage qu'on voit peut-être pas à l'écran. Mais je vais quand même je veux les retravailler, ça va, ça va être correct là. Et Mais j'aime beaucoup. Il est très euh, il est, il est très comme serein on dirait. Il s'en vient aider, mais sans Il a pas peur, tu sais C'est ce que j'aime le plus sur l'image. est genre Let's go, va aider mon ami! Le chapeau avec les, euh, les, euh, les herbes qu'on avait vues dans l'herbier tantôt. J'adore celle-là. Cette image-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le comment elle, est, elle a été conçue. <laughs> le loup, il est tellement cute! Avec le, un ennemi quand c'est sait pas trop c'est quoi qui est là. Ouais, J'ai eu une erreur d'impression aussi ici, mais des, il y a des lignes euh, en arrière. Je ne sais pas pourquoi, ils sont bleus. Mais euh, je vais je le, les faire paraître en le coloriant. Là. Mais elle est tellement belle, la grand-mère. Elle full, euh, est full... C'est ça, elle est full cute. La nourriture. La sorcière. Ben, la sorcière, c'est le, le chapeau rouge, mais qui retourne avec son balai. Ça fait vraiment encore plus euh, sorcière. J'adore. J'adore. Je pense que c'est la prochaine image que je vais mettre en couleur. Ben, probablement en fait. Là, je ne sais pas c'est quelle qui vient avant, parce que là, j'ai enlevé euh, l'image. Mais sinon, on a celle-là aussi. Que ça fait euh, ça fait fête ou ça fait aussi euh, Noël. Moi, j'adore le cadeau comme ça. Avec euh, le cercueil, évidemment. Parce qu'il n'y a personne qui est surpris. Et voilà, j'ai le livre. Et on a évidemment cette image-ci que je vais continuer avec vous aujourd'hui. Ouais, bien, c'est vraiment, euh, vraiment, je... euh, vraiment, vraiment un beau livre. Excusez-moi, moi aussi j'ai un peu le rhume, je pas la COVID, mais j'ai un rhume qui me suit depuis quelques jours. Mais c'est vraiment un beau livre. Ça, vraiment, je, je trouve qu'il est, qu 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 est bien abouti. que euh... Bon, faut dire que j'aime beaucoup le, le loup. J'aime beaucoup l'aspect euh, Halloween. Bonjour, des beaux! Ouais, vraiment. Une vraie beauté, ça, Le livre. Bon, on, on va commencer. Hum, J'espère es, que vous, vous me direz c'est quoi que vous coloriez ce matin, ce, cet après-midi. Euh, ce dans le fond, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait au, au départ. C'est que j'ai fait une base 100% au feutre à alcool avec le. Là, je vous montre le Copic, mais c'est le BG70. Donc, c'est un, un bleu. Euh, je ne sais pas si on voit bien. Mais c'est un bleu très, très, très désaturé. Euh, c'est dans la même famille que celui-là ici, mais il, il, il est désaturé. Puis c'est un, un bleu très, très pâle. J'ai fait une base au complet. Toute, mes, toute mon image, euh, elle a cette base-là, en fait, pour tout commencer pareil. Euh, donc, euh, bon, j'ai pas fait celui-là encore, là, mais vraiment, j'ai fait, fait euh, du bleu partout sur le loup, sur la, la sirène et tout. Puis après ça, ben, je suis venue racheter euh, des couleurs. Euh, là, je vais racheter des couleurs euh, sur, mon, euh, sur mon loup. J'aime vraiment l'expression du loup. Je, 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 en fait, je suis contente comment je l'ai faite. Je trouve vraiment qu'il qu qu est encore plus expressif une fois qu'il est mis en, en couleur. Merci, euh... Amandine. Oh, dans le freaks! Oh cool! dans ton portrait, oui. Il avance bien en tout cas ton portrait, euh, Julie. Je sais pas si on voit bien. Ah ben. Bah. Au pire, Amandine change de colo. C'est ce qui m'est arrivé tous le, 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 les derniers mois. J'ai commencé plein de choses puis j'ai rien terminé. Merci Elsa. Oh Jennifer, trop cool, trop cool. Mais je te comprends moi aussi hein, je suis comme ça. <laughs> J'aime beaucoup plus euh, les angles de stress, Puis ce qui est, ce qui est sec, en fait, parce qu'on a plus le contrôle, je trouve. Vous me connaissez. Dans le home sweet home, On Sweet On, je, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup d'écolos dans ce livre-là, mais euh, il y en a beaucoup qui qu se l'étaient procurés, c'est cool. Il y a quand même des belles doubles pages dans ce livre-là. Le Home Sweet Home de Disney. Est-ce que vous avez fait des achats dernièrement? Moi, clairement, c'est mon achat <laughs> de cette semaine. Oh, trop cool! Des beaux. J'ai vu que tu en as fait plein en plus là, dernièrement dans le, le, son livre à, à Clarendia. C'est vraiment. Euh, c'est trop cool de, de voir ces images coloriées. Vraiment, là. Bonjour, Sophie. Y a encore un, une panne de courant? J'ai vu qu'il y en a qui étaient encore en, en manque d'électricité depuis quatre jours. C'est-tu encore le cas chez, chez vous, euh, Amandine? Ouais, non, c'est vrai, Julie. C'est vrai que toi, tu t'en as acheté pas mal euh, dernièrement, des trucs. <laughs> on en a pour euh, une page à lire. Non, c'est ça, hein. C'est ça, Amandine. Quand on parle d'elle, elle n'est pas là. Il l'a là, là. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je sais qu'elle a fait un live... Euh... À 3 heures pour nous, je crois que c'est 3 heures pour nous au Québec, donc je ne sais pas quelle heure pour vous avec, euh, avec Zazou. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, euh, ça, ça fait plaisir. Mais là, j'ai envie de, de craquer pour un autre livre, Le, le Camelot d'Erico. Mais je. Comme je suis encore. Euh, ben, j'ai encore plein de livres que je n'ai pas entendu et tout. Je me dis, bah, bon, ça ne sert à rien de, de. de me lâcher tout de suite. Que je vais attendre, mais j'ai vraiment envie de, de me le procurer. J'essaie de réduire, je dis ça souvent, je ne le fais pas, mais j'essaie de réduire quand même un peu mes achats. Parce que, surtout qu'en ce moment, j'ai de la misère à, à, à colorier. Bonjour Nat, ah ça va ça, ça va, ça va, bien Nat. Content de te voir. Toi ça, ça va Il se nourrissent conserve, conservent bon encore Ah t'es trop gentille, Amandine. Oui Zazou, et Monsieur Zazou. Oui c'est ce que je pense euh, des bouts. Ouais, je suis d'accord avec toi Mel. Alors on a du talent. Ah, oh, t'as bien fait, Amandine. C'est dans ce moment-là que c'est le fun d'avoir des voisins qui, qui s'occupent qu'on qu soit proche de nos voisins et qu'on prenne soin l'un de l'autre. pas toujours facile, des moments comme ça. Oui, Julie, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois, ça m'a relancé le, le livre d'Amandine. Ça m'a. Ça m'a remis. Euh, dans le goût de, de colo. Je te vois, je te vois, Julie, tu hein? T'as encore envie que je m'achète d'autres affaires. Tu, tu me fais dépenser, encore une fois. C'est pas bon ça. Ouais, mais... Ben, je, je, puis Débo, tu fais tellement des belles... des belles colorations, en plus dans son livre. morale mais pas de mon portefeuille c'est ça euh... Euh, Nat euh... oui ben je réponds pour elle mais moi c'est un PDF je l'ai acheté en PDF son livre puis je pense que tous ses livres sont disponibles en PDF si je ne me trompe pas. Ça, c'est. J'ai acheté tout son livre en PDF. <laughs> j'ai fait rire à ma tête. <laughs> bon. On va commencer. L'effet poil. Vous avez vu, j'ai fait vraiment aléatoirement des endroits où est-ce que je vais je venir après ça avec ma couleur plus foncée. Venez faire des traits euh, juste pour venir créer un peu de, de texture, un peu de volume au loup. Ben, c'est la même chose pour moi, non Je suis contente de vous retrouver. Je <laughs> suis contente que tu sois là. <laughs> d'ailleurs, j'ai un j'ai un, un vidéo qui va sortir demain. Euh. Si jamais ça vous intéresse. Puis j'ai une vidéo que j'avais filmée euh, dans ma période où est-ce que j'avais de la misère à colorier. Mais le son est vraiment pas top selon euh, ce que j'aime. Mais je me disais, je vais quand même l'éditer, puis je vais peut-être vous le, vous le proposer. Je ne sais pas si ça vous dérange que le, le son soit un peu. Euh, à certains moments, il n'est pas très bon. Je sais pas si ça vous dérange. Merci Daniel. <laughs> Merci. Je m'étais procuré plusieurs ongles pour l'Halloween pour euh, autant pour les vidéos que pour mon plaisir personnel. J'ai pas eu le temps de toutes les les, les, les mettre et que euh, je me suis dit pourquoi pas continuer euh, puis les mettre euh, en fin de semaine. Je vois si je te J'ai déjà oublié, je sais pas, je te l'ai dit, mais bonjour Kolo Ça va bien? Je pense que c'est la première fois que je te vois sur, euh, sur mon live. Peut-être que je me trompe. C'est pas un souci, le son? Ok, parfait. Moi, ça me dérange parce que c'est pas selon ce que, ce que j'offre d'habitude. Comme... Euh, je sais que des fois mes, mon son est pas toujours bon, mais lui, cette vidéo-là, il est. Vraiment. Euh, J'ai essayé de de l'arranger dans mon fichier d'édition. Ça n'a pas fonctionné. Fait que... Ah ben, contente que tu sois là. Euh, cool Eva. Contente de te voir. J'espère que ça va te. que tu vas apprécier une, un moment avec nous. <laughs> merci Mel, merci. Je pense que c'est ça, j'avais trop parlé proche de mon micro, je pense, fait que ça l'a. Euh, ou bien mes settings de mon micro euh, comme pas fonctionné. Je ne sais pas trop. Merci Emily. Euh, Nat, moi j'ai utilisé le Canson euh, Mix Media. C'est le, le Kenson Mix Media dessus euh, que j'ai imprimé, fait que ça va bien. Ça dépend aussi de ton imprimante. Moi, il est quand même, il est quand même épais, mais pas trop. Ça fonctionne bien. Je ne sais pas le Imagine s'il est bien épais. Bonjour Sandrine. Bonjour Manon. Ça va bien, Sandrine, toi? Là, tout ce que je fais là pour mon style d'effet poil qui est pas. Euh... Est léger, c'est que je fais juste des traits à certains endroits. Euh, dans le, le dessin d'Amandine, il y a comme un, un trait qui est créé ici, des fois, à certains endroits, puis j'aime bien le, le garder euh, plus pâle, comme j'ai fait à certains endroits. Euh, parce que, je sais pas, j'avais envie de faire ça, puis ça donne aussi l'effet euh, un peu de, de peut-être, de lumière dans l'eau. Je sais pas trop. J'avais envie de. Utiliser les traits qu'Amandine a fait. Moi, je suis avec du gris froid. J'ai utilisé du gris froid autant pour la base que pour euh, mes, mes, mes polis. Ah mais ça ressemble à ce que moi j'ai, euh, Nat. Je sais pas si c'est l'imagine que j'ai, mais je pense que ça devrait fonctionner euh, ton. l'impression sur te... tout dépendant de l'imprimante que tu as, mais ça devrait fonctionner. Excusez-moi. Je suis. Euh, je suis. Un, ça, je suis enrhumé. <laughs> ah. Bah, c'est cool. Là. Ouais, les, les, les papiers mixés je trouve que, en tout cas, à, à mon goût à moi, j'aime bien avec les crayons parce qu'ils ont, ont un peu de grain dessus. Puis ça marche super bien avec les polis. Ils ne sont, sont pas trop lisses. Puis en plus, ils prennent bien les. C'est sûr que c'est pas le best pour les marqueurs alcool, mais je trouve qu'ils prennent bien aussi mes marqueurs alcool. J'ai quand même été capable de faire euh, vraiment. J'ai fait plus qu'une couche là, pour faire ça ici, puis euh, je suis vraiment satisfaite euh, du résultat. Merci Sandrine. Merci. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire euh, en ce moment. Faut dire que ça donne le look que je voulais. Que j'avais en tête là, fait que c'est sûr que ça l'aide à, à vouloir le continuer. Je comprends que c'est juste Julie qui s'est procuré des nouvelles affaires euh, cette semaine. Je vous ai dit, je me suis procuré le, le PDF. Il y en a qui se sont procurés du matériel. D'autres livres. Je n'ai pas remarqué s'il y avait... Je, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais je n'ai pas remarqué s'il y avait des nouvelles sorties intéressantes. Bon, à part le Camilla d'Erico, ouais, ça c'est ça c'est vrai Julie. Le livre nat que je suis en train de colorier, c'est le euh... le c'est pas la bonne couleur, c'est jaune. Euh, J'ai eu un problème d'impression, mais c'est le Petit Chaperon Rouge, Livier et le Loup. C'est son nouveau, son nouveau livre. Et comme je vous ai dit au début, c'est mon image préférée du livre. C'est rare que je commence avec mes, mon image préférée, mais je ne peux pas, pas m'en empêcher. Puis je suis contente que ça donne en ce moment ce que, ce que je veux. Sinon, j'aurais été vraiment déçue vous allez me dire Julie tu l'as en PDF, tu le réimprimeras mais c'est pas j'ai peut-être pas envie de le refaire. <laughs> Abordine c'est ça. C'est des euh, c'est une imprimante avec des encres euh, c'est EcoTank puis ça le ça bloqué, en fait. Il, euh, il a fallu faire un nettoyage il a fallu faire un nettoyage puis ça n'a pas fonctionné fait que pour le moment euh, je peux pas relier <laughs> mon livre Tu as Spark qui fait des aquarelles camion qui dessus. ouais ouais ouais, Spark qui fait des, be des belles choses. Mais c'est hors de mon budget. Oui, elle lightfast. Ça vaut la peine de les prendre. C'est cool que vous ayez l'option de les avoir en unité en spécial. Nous autres, on n'a pas ça. Pour compléter ta collection, Julie, ça veut dire que tu as toutes les couleurs. Je suis jalouse. Wow, Mel, trop cool, super seul ça. Ah, ça vaut la peine en plus. Bon, faut dire que j'aime beaucoup les albergueurs. Ah ouais, Jennifer, euh, je, 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 c'est bien. La nanothérapie, euh, j'arrête pas de le regarder. Euh, il me fait de l'œil de plus en plus. Puis de, de voir les certains colos sortir là, ça me donne le goût. Mais 23, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Euh, j'ai pas du tout toutes les couleurs, mais j'ai toutes les couleurs que j'ai besoin. T'sais, une fois que tu arrives à une collection euh, de couleurs euh, que tu es confortable, moi je, je suis vraiment contente de, de ce que j'ai. je pense qu'on en a tous des soucis euh, au niveau de les collections euh, Amandine <laughs> je te comprends <laughs> tu l'as fait trop beau mon rouge. Ah, oh, ben contente qu'il te plaise mais son visage est tellement beau il fallait le mettre en, en valeur C'est ça qui me fait... C'est la dernière image du qui me fait comme craquer. Je suis comme fou je le prenne. Il se fait en plus euh, sauver par la, la sirène. Il l'amène dans un autre univers. Ouais, c'est ça, exactement. T'as raison, Julie. Oui, c'est ça, j'ai vu moi aussi Jennifer qui était dispose Pour ça que je, je, je suis en, en dilemme, est-ce que je me le prends ou pas? Mais je suis d'accord, Sandrine, il est vraiment beau, le nounours. Le, le, le thérapie. Euh, moi, j'achète en octobre les trois livres de Laure Philippon. Oh! Mon dieu, euh, let's go, euh, Manon! C'est génial. Ouais, c'est lesquels des. Les des deux livres d'Amandine de que de Amandine que pris. Oh, tu vas aller te prendre le livre? Ah bah oui, tu fais bien, hein? Euh, Mel, tu fais bien. Je veux pas, je veux pas, je veux pas vous vous influencer à l'acheter, mais comme. C est, c est, il est quand même très beau. <laughs> Il est très expressif, le loup, en plus, sur les, sur les, les, les images, je trouve. Là. Je sais pas, je, je l'aime beaucoup. Il ne faut pas oublier sa petite boucle d'oreille. Hein. Il est trop cool. Ça bug. La dernière fois, c'est euh, YouTube qui buguait. J'espère que ça ne sera pas la même chose aujourd'hui parce que moi, mon réseau, euh, selon mon, de mon côté, ça me dit que je suis, euh, je suis dans le vert. Ça va, ça va bien. Je ne sais pas si, si vous êtes là. C'était si la seule des bouts que ça bug ou pas. Là. Mais la dernière fois, c'était vraiment YouTube qui avait des problèmes. J'espère que ça ne sera pas le cas encore une fois aujourd'hui. Euh, moi j'ai pas. Moi j'ai la petite sirène, Sandrine. Je ne sais pas si c'est à moi que tu poses la question, mais moi j'ai la petite sirène je j'ai pas le, le cendrillon. Là, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser le light à, à quoi que j'ai mis partout dans mon colo aussi. Euh, au lieu d'utiliser le, le blanc, j'ai rajouté quelques endroits blancs mais sinon tout le reste c'est le light à quoi parce que ça revient chercher un peu la couleur de base que j'avais mis avec euh, mes mes copics mon copic euh, très très euh, mon bleu euh, très désaturé comme ça quand je, vais, je viens mettre du blanc blanc ben, ça ressort encore plus je trouve Euh... <laughs> C'est bon, ok, une chance euh, mille. <laughs> Cendrillon euh... revient début 2024, c'est ça. a presque terminé son livre. Oh, wow, Sonia! Wow! Félicitations! <laughs> Nat, ça, c'est pas bien, ça, justement. Là, t'as dépensé pas mal. <laughs> bon, pas de bug pour toi, Jennifer, c'est good, c'est good. Trois illustrations, je capote. Vraiment, là. On sait très bien que je me rendrai pas là, mais si un jour je me rends là, wow, je serais tellement contente de finir un livre, des proches de finir un livre. Oh, Sonia, tu as fait un, un cadeau à Amandine. Cool. De terminer le cendrier. Oh mon Dieu, Seigneur. Tu t'es. Euh... T'es. Euh... T'es en feu, Sonia? Oh, wow. Alors, let's go. Bonjour, Chris. C'est. Attendez. C'est Ça va bien. Moi, j'ai pas tous les livres. Ouais. J'ai le Petit Sirène, j'ai le Freaks qui m'a été euh, gracieusement donné par une abonnée que je suis vraiment contente d'avoir. Puis là, je me suis procuré en PDF le le, le petit chapon Rouge. J'aime mieux les avoir en livre, mais comme c'était pas, pas possible, je me suis dit je vais me le prendre en PDF. Mais les autres, je les ai en livre. Puis euh, probablement que je vais me procurer, mais euh, ben j'espère le faire, bien, pas bientôt, mais je vais prendre le pin-up à un, un moment donné. J'ai vraiment envie de, de colorier la, la bretonne. Ouais, j'ai vu ta vidéo. Je ne l'ai pas encore, encore regardé, note, mais j'ai 35 livres. Écoute, moi aussi, ça fait, ça fait un an et quelques mois que je colorie, puis je suis rendue, je pense que j'en ai compté 40, quelques la dernière fois que j'ai compté. Oh, c'est pas correct. Comme, comme, on, comme on dit souvent, hein, c'est euh, colorier puis euh, acheter des livres, c'est deux hobbies euh, complètement différents. Bonjour, Karine! Le pas non plus, euh, Sandrine? C'est difficile, il est tellement apprécié, il est tellement partout que des fois je me dis, je sais pas qu'est-ce que je pourrais. Et, euh, tout le monde le colorie. Fait que c'est difficile d'avoir euh, des fois des idées, je trouve. Mais j'ai vraiment envie de colorier la, la petite bretonne. Entre autres parce que j'ai envie de la donner à, à quelqu'un. Euh une bretonne dans ma vie. Oh c'est trop cool, Amandine! Wow, Sonia! Effectivement, c'est un souvenir de fou. C est, c est, c est, mais c'est trop cool, c'est tellement genre, ça fait tellement. Waouh! Waouh! Wow. Je suis bouche bée. Ça, c'est clairement quelque chose euh, qui, qui, qui fait plaisir, hein? De voir son, son livre au complet fini, puis de, de l'avoir en souvenir. Oh! Tout colorier. C'est bien pensé, Sonia. C'est bien pensé. Euh, non, Cristalie, Chris, je l'ai même pas fini. Il me manque le fond à faire. Je ne je sais, sais pas quoi faire. Je suis encore trop indécise. <laughs> je l'ai presque fini, mais j'ai pas encore fini. Je veux le finir avant de retourner dans, dans le livre dans le Freak. Ben oui, en plus, là. C'est trop cool, Amandine. T'as hâte. Moi aussi, j'ai hâte de le voir fini. C'était dans mes plans de le finir pour euh, l'Halloween. Je trouvais que ça, ça fitait, mais euh, j'ai pas été capable. 70 livres? Bon. C'est bien, c'est bien. Je vais arrêter. Je, il va falloir que je, je, je le montre ça à mon copain. Il va arrêter de chialer que j'en ai, ai trop. Il va falloir que j'ai plus de place pour les mettre. Puis là, hier, je lui, ai, je lui ai demandé la permission d'avoir un nouvel, un nouvel, un nouveau. Euh, une nouvelle bibliothèque ou un nouvel endroit de rangement, tu sais. Il a, il a fait l'erreur de ne pas me dire non. Pas que. <laughs> Je risque de me procurer un, 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 un rangement. J'ai montré mon idée, tout ça. Puis. Euh, il était comme moi, ouais, mais si tu plus de place, tu vas acheter plus, blablabla. Bla bla bla, puis. Mais bon, il m'a pas dit non, fait que probablement que ça va arriver dans. chez moi, dans pas longtemps Mais j'aimerais tellement ça, moi, Amandine, pouvoir faire ça. De, de venir euh, te, te rencontrer. Ça a l'air tellement cool en plus, euh, tu sais, tout ce que. Tout les, les le, le, le temps que, que tu passes euh, dans, dans les marchés et tout. Puis euh, je suis sûre que tu donnes du temps à tout le monde. Ah, j'aimerais tellement ça. Je voudrais que tu sois... Euh, quand quand je, vais, je vais. je vais en France. Euh, Bientôt, l'année prochaine, il faudrait qu'on que, qu soit capable de... que, que tu ailles un marché proche de ce que je vais. Ouais, c'est ça, moi aussi, Karine. C'est plate qu'on soit si loin. Ah, ben, je te comprends, Christalie vraiment des beaux livres. Oui, 250, 300 livres, oui, mais je veux dire, il euh, y, y en a qui ont des collections euh, de fous, hein euh, Je voulais pas en avoir trop au début, mais finalement, je me rends compte que j'aime ça avoir... Euh... Je trouvais ça trop euh, intense, le nombre de livres que j'avais. J'étais comme, je ne pourrais jamais, comme tous les finir, tout ça, mais en même temps, quand tu te dis... Genre j'ai fait trois quatre colos dedans, euh, c'est correct, euh, c'est pas grave si je les finis pas là. au moins j'y vais dedans, au moins j'ai du plaisir. Tendu là. Ouais mais c'est ça moi aussi Mel. <laughs> c'est euh... c'est ça. Mon copain il est comme tu vas... si tu vas avoir si t'as plus de place tu vas avoir plus tu vas t'acheter plus de livres, bla bla bla. Tu prends trop de place. Mais c'est facile, lui, il y a juste un ordi à, à gérer. Moi, j'ai. ça. Tu... Merci, euh, Ma... Nat. Je sais pas si je t'ai dit merci. Ben, je sais quand est-ce que je viens, euh, Amandine. Je pourrais te je en parler en privé peut-être. J'ai déjà... Je suis là trois... Je m'en viens en France pour trois semaines quand même. Ouais, c'est ça, Nat. Moi aussi. Moi aussi. Puis c'est... C'est ça. C'est le fun d'avoir plus de, cho de choix puis d'avoir, d'avoir plein d'illustrateurs différents. C'est le fun aussi. C'est le fun de... C'est ça. C'est d'avoir du plaisir dans nos livres. Il faut arriver à l'évidence qu'on n'en finira pas un, puis c'est pas grave. On fait ça pour le plaisir. Oui, c'est vrai, j'ai un lien avec la ville de Glomel. C'est pour ça que j'ai envie de faire aussi la, 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 la petite bretonne, parce que... Euh, ouais. C'est un, un membre de la famille de mon copain qui, qui vient de Glomel, en fait. Il parle encore... Elle parle encore le breton avec ses... sa famille... C'est fou, c'est vraiment cool. C'est pas facile quand c'est sa fête. Des fois, on bon, on, avait... on a la chanson en... dans sa langue, puis euh... ben, dans la langue bretonne. Puis euh... c'est pas facile. C'est vraiment cool. Elle, elle a le... Le... Le, drapeau... le drapeau aussi. C'est pour ça que j'ai envie de lui faire un colo euh... de la pinotte euh... bretonne, puis qu'elle qu qu mette chez elle. Oui, c'est ça. 70, on va dire que c'est raisonnable. <laughs> oui, ben moi aussi, Christalie j'ai pas tout commencé. Je pense que j'avais calculé que j'avais 20 livres que j'avais toujours pas commencé. Mais c'est correct. C'est vrai que c'est pas nécessairement raisonnable, mais tu sais, c'est notre hobby. Parce que c'est un hobby qui paraît plus. Euh, qui prend de l'espace, tu sais. Tu comme mon copain, il a genre euh, une bibliothèque de, de jeux vidéo euh, virtuelle qui est énorme, mais c'est sur son ordi. Fait que ça, ça prend pas de place autre que de l'espace sur son ordi. <laughs> c'est sûr que rendu là, euh, ça paraît moins. Est-ce qu'il joue à ses 100 jeux vidéo? Probablement pas. En fait, je le sais que non. Je ne sais pas si vous aviez vu la différence, mais j'ai rajouté juste un peu de noir un peu partout. Puis on voit déjà un peu le, les contrastes entre les endroits les plus pâles et les plus foncés. 80 livres, quand même. Non, c'est. je veux dire, c'est ça. C'est beaucoup, mais il y en a tellement des beaux livres qui sortent. Qui, c'est tellement genre. C'est ça. Puis c'est tellement euh, le fun d'avoir un nouveau livre, d'avoir des nouvelles idées et tout. Je sais pas. Faut pas s'empêcher. J'essaie de finir le blanchage et la petite sirène. Mais je pense que tu l'avances bien, non, le. le je t'en fais quasiment un par mois, de, des deux non, Amandine Ancienne vie. <laughs> tu l'as recommencé? Oh non, comment ça? Oui, ben, je pense que moi aussi je suis lente en coloriage, je comprends ça. Aucune vitesse en coloriage. Ouais, je pensais que ça. C'est ce que je voulais. Je voulais suivre le, le groupe. Je sais pas ça si. Il me semble c'est un groupe. Mais pour le, La Petite Sirène, je voulais l'avancer comme ça. Puis finalement, euh, j'ai déjà. j'ai rien fait. À chaque fois que je veux avancer des livres, je finis toujours par euh, par, me, par plus être motivée, je sais pas pourquoi. mais là je pense qu'il y, y en a un aussi un, un, un avancé, le le puis c'est la si je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est la contorsionniste qui euh, qui a faire ce mois-ci qui euh, j'ai envie de la faire fait qu il faut que je finisse mon clown avant de pouvoir faire la contorsionniste beaucoup trop de plans peu de temps ah ben oui je comprends je comprends ah, oh, ce serait le fun d'avoir la version rigide, là. Moi qui aime ça, les livres rigides, les versions rigides, là, les hardbacks. Waouh. Ben, je te comprends, euh... <laughs> Amandine. Le rigide, c'est tellement plus. Euh, je sais pas, ça fait encore plus livre de collection, à mon avis. Bonjour Catherine. Ça va bien? Je crois que c'est la première fois que je te vois euh, sur mon live. Bienvenue, si c'est le cas. Ben c'est bon, Nat. Merci d'être passé. Merci beaucoup d'être passé. C'est toujours un plaisir. À la prochaine fois. Prends soin de toi, là. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu le groupe Instagram. Euh... Je pense que. J'ai oublié mon idée, mais c'est ça, ouais. J'ai vu, vu un groupe Instagram qui, qui faisait le, le, le Freaks, qui avançait le Freaks, puis j'avais vu que c'était la contorsionniste. Il faut que j'arrête de commencer des colos puis que je les finisse. C'est ça, c'est mon but, moi aussi. Là. <laughs> je dis ça souvent, puis c'est pas ça qui arrive, mais euh, mon but, moi aussi, c'est de. C'est vraiment de, les, de, de finir des colos que j'ai commencés. Là, ça n'a pas de bon sens. J'ai des crayons partout qui sont tous en petits. Euh, qui, qui sont tous en, euh, ensemble pour le, le colo que j'ai avancé, tu sais, mais que je n'ai pas terminé. C'est vraiment pas euh, efficace, mon affaire. Super, Catherine. Là, je suis venue rajouter un peu de, de bleu style turquoise dans sa dans sa dans sa, sa l'effet peau comme j'avais fait un peu partout et je viens rajouter euh, du vert un peu désaturé je sais pas comment le euh, je viens rajouter celui-là ici qui est un vert euh, comme un peu je trouve qu'il est un peu désaturé qui se mélange bien avec le turquoise qui est très foncé. Bien, pas très foncé, mais c'est le turquoise-là. Je trouve que ça vient vraiment donner une, une teinte un peu plus euh, bleu-vert encore. C'est léger, mais j'aime bien le, le, le mélange. Oui, ça, ça c'est vrai, J. Il faut juste que je m'y mette. Il y en a là qui me reste pas grand chose. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais des fois, c'est ça, je me bloque moi-même parce que je suis comme Ah, oh, j'aime pas comment j'ai commencé. Puis souvent, c'est dans des colos comme ça que genre j'aime pas le début. Puis en le continuant, puis en le terminant, c'est dans mes colos préférés. Mais des fois, c'est pas facile de, de se dire, ben là, du coup, continue, ça, ça va, ça va débloquer, ça va être beau. Écoute, je te comprends, mais j'ai des duos que j'ai commencé puis j'ai pas été capable de finir non plus. Là, puis Je me sens mal parce que justement, je suis, je suis bloquée, mais ça n'a même pas de bon sens. Je le regarde puis je ne je suis pas capable. Je... C'est ça. Il y a des moments, des fois, es, c'est comme tu regardes ton colo puis ça marche pas. Ça marche pas, tu n'es plus capable. Ça va être ça pour la queue. Donc on va continuer le, le sol. Le sol, j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs que la sirène, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté euh, un bleu. Euh, j'ai utilisé ces couleurs-là que j'ai utilisé pour le, la queue aussi. j'ai rajouté un le ocean blue dark donc un bleu euh, je vais vous le montrer c'est ce bleu là tu sais il est pas euh, il, est, il est bleu noir mais bleu aussi qui peut bien aller avec le vert que j'avais utilisé pour la peau se mélange bien ensemble fait que ça fait à peu près cette couleur là Je, vais... je suis comme tout dans les mêmes teintes pour tout le colo, mais ça paraît quand même un peu différent, je trouve. L'œil creepy. Tu veux celui-là? <laughs> Il est tellement cute. Je l'aime full. <laughs> Hé, hey, bonjour, Laika. Moi, ça va bien, toi? Ah, oh, pour vrai? Va, moi, je suis d'accord qu'on n'en voit pas souvent, mais j'aime pas nécessairement ça faire des sirènes. <laughs> Moi, c'était pour le look, j'aimais ai, le, le colo. Mais la sirène est tellement belle. J'aime j'aime beaucoup le, le fait que tu elle fait vraiment... Euh, euh, comment dire? Euh, elle est pas creepy parce qu'elle est belle, mais tu sais, est très euh, mince, elle est très euh, comme... Euh, euh, je sais pas comment dire. C'est vraiment cool. Oh non. C'est son dernier livre... Euh, attends, attends. attends. Est-ce que c'est le Wildfire Folk qui, qui, qui te bloque, Chrysalie, ou c'est son nouveau? Parce qu'on en a sorti un, un nouveau, je pense, c'est quoi? C'est cette semaine ou la semaine passée? Oui, c'est ça. Mais oui, moi c'est pour ça que je l'aime <laughs> le colo. <laughs> mais c'est ce que j'ai ce que j'ai adoré en fait Amandine, c'est en voyant ce colo-là, bon, j'aimais beaucoup la face du, du loup. On va se le dire. Mais après ça en voyant la sirène avec son comment comment tu le fait? C'est ça quand j'ai montré j'ai montré le colo à mon à mon copain, hier il était comme "Oh mon dieu" et et, et mais c'est comme elle a les ces os qu'on voit et tout ça puis moi c'est c'est vraiment venu me chercher weird des fois je le sais mais bon euh, bonjour euh, fabienne ça va bien oui moi ça va oui c'est ça mais moi c'est à cause de j'ai eu l'idée de la couleur un peu bleu vert un euh, de l'eau pas propre parce que C'est cette élu. Laquelle Celle-là. Je me suis dit, ah, c'est dans une rivière ou un lac euh, un peu pas euh, propre. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de ces couleurs-là, en fait. fait que ça suit quand même. Ça suit avec ton histoire, euh, 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 Amandine. <laughs> oui, elle a beaucoup de caractères. C'est vraiment, comme je disais, euh, Avant que tu arrives, c'est vraiment ma trèfle. De, du, du, du livre. Non, c'est un loup avec ses que, sa queue. Ben, C'est trois queues en fait. <laughs> tu vois pas, il y a du poil. <laughs> Je pense que j'ai pas été assez évidente dans mon poil. J'ai fait trop... Euh, trop léger. J'ai raté. <laughs> mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que j'essaye, c'est de créer... Tu sais, il y, y a de l'art d'avoir... Euh... Il y en a qui sont plus bas, plus haut, tu sais, avoir un, une dimension. Fait que j'essaie de, de garder un peu le genre de dimension qui, qui semble y avoir là en bas. Donc, j'y vais avec les lignes que, que, qui sont là, puis pour essayer de créer justement une dimension. <laughs> oui, mais un coquille. Merci, Sonia. Je niaisère. Je, je l'aime bien, mon loup. <laughs> j'aime bien ce qui est le look. Mais tu sais, honnêtement, je garderais juste sa face, puis je, je l'aime tellement, là. Juste ça. J'aime le reste, là, mais j'aime encore plus son, son visage. Bon, ça y est. <laughs> On voit plus mon loup. Ouais, je te comprends Sonia. Vraiment... Tu, tu l'as commandé en, en version soupe, toi Sonia? Je pense que tu l'as dit tantôt, mais je ne me rappelle plus. Désolée. Je sais pas quelle couleur qu'on va faire l'œil ou qu'il ressorte quand même. Parce que ça va vraiment donner encore plus l'ambiance euh... creepy. Ah oui, oui, oui. Je suis d'accord, BH. Ah, je trouve qu'il y a vraiment. Euh... Ouais, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de spécial, ce livre-là. Ouais. Vous avez tous envie de le savoir, je vous comprends. C'est vraiment beau lit. rigide et souple, Seigneur, Sonia. C'est cool, ça? Ben, tu vois, Amandine. Euh... C'est comme quoi qu autant en colo, euh, quand, quand... Je sais pas, on dirait qu'il est encore plus fini, ce livre-là. Ben, je l'adore, La Petite Sirène, je sais qu'il a... Mais celui-là, il est encore euh, une coche de plus, je trouve. Comme je dis, c'est peut-être parce qu'il y a l'ambiance Halloween en plus, là. Mais c'est vrai qu'ils sont toutes beaux, tes livres, là. Celui-là, c'est mon... Je, je disais que c'est mon pref mais les, le Freaks, euh, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Ah. <laughs> peut-être parce que c'est un conte aussi qu'on ne voit pas souvent, je trouve, le petit chaperon rouge. Et on voit tout le temps, en fait, on voit souvent juste le loup avec euh, le petit chaperon rouge, mais on n'a pas comme le conte au complet, je trouve. Ça, ça le rend encore plus différent, plus unique. Euh, c'est quoi je... je vais faire la... Euh, oui, presque à la fin. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est justement, je veux essayer de savoir quelle couleur je fais mes, mes algues. Mes petits fantômes euh, ici. Puis après ça, ben il va me rester l'œil. Parce que l'eau, je suis encore indécise à savoir est-ce que je le fais aux encres ou pas. Bonjour Narcisse. Je sais pas si je te dis bonjour, mais bonjour. Ah ben oui, mais, mais je te comprends. Parce que La Petite Sirène, j'admets que ça a, été un, ça a été un un hit. Euh... Mais c'est le premier livre que je me suis acheté, en fait, de, de toi. Ah, je suis en <laughs> C'est bon, Béa. Ça marche juste quand c'est toi qui me le dis, hein, en passant. Béa. Ouais, c'est ça. C'est un conte pourtant qui peut être très. Tu sais, qui est qui, qui, autant creepy que, que, que beau, en fait. Tu sais, on voit souvent euh, La Belle et la Bête. Euh, on voit souvent. Euh, on voit quand même bien souvent la petite Sirène. Mais tu sais, Amandine a lui amené sa touche de la petite Sirène. Euh, du. Je vais dire du vrai conte, là. Mais c'est le vrai conte, là, mais. Celui-là, c'est rare qu'on le voit. Ah, mais t'as bien fait, tu vois, Amandine, c'est justement, c'est comme, comme dit Laika, ça se sent quand les choses sont faites avec passion, puis vraiment, c'est ça, euh, c'est ça, on, on, on ressent que, en fait, on, dit, on ressent que t'aimes ce conte-là aussi, que c'est recherché, que t'sais, puis que t'as vraiment voulu donner ta touche aussi, là. Ouais, c'est ça, Narcisse. Euh... Merci Elsa d'être passée. Prends la tête. Ouais, mais ça... <laughs> J'imagine. Mais bonjour, Canadia! Je vais me faire chicaner par Jennifer, parce que là, j'ai faim. J'ai plus faim plus, plus, plus vite que d'habitude. Le pire, c'est que je me suis dit que j'allais prendre quelque chose à manger avant de commencer mon live aujourd'hui. Je me suis fait plus de bonheur que prévu. Je ne l'ai pas faite. beur Je ne sais, sais, sais plus quoi vous dire. Si vous voulez, il faut me poser des questions, comme d'habitude. Euh... Ah, tiens, je vais vous parler euh, en primeur de ce que j'ai prévu, qui va être discuté un, un peu dans mon, dans mon vidéo demain, comme vous êtes là. Pourquoi pas? Euh, j'ai envie de. J'ai envie, si j'ai le temps, j'ai envie de faire euh, les douze jours de Noël. Je sais que je parle de Noël, puis on vient de finir l'Halloween. Je ne suis pas encore dans le monde de Noël, mais j'ai envie de faire les douze jours de Noël ils proposer des trucs euh, euh, de Noël. Donc, euh, voilà. J'espère que ça va vous allez être au rendez-vous. Ah, mais t'as pas besoin d'une pas besoin d'une grande audience Narcisse, mais en as quand même une pas mal euh, plus que que moi oui j'ai faim ça doit être pour ça que genre je pense juste à ma faim et non à, à, quoi, à quoi discuter Oui Narcisse elle a une chaîne, euh, elle a une chaîne YouTube puis elle a, euh, elle a un blog aussi qui parle de, de coloriage et autres. C'est vraiment cool. Je vous invite à aller voir. C'est plus de vidéo? C je me trompe peut-être de personne d'abord. Sans que j'ai, euh... je pense que je me trompe de personne. Désolée Narcisse. Ah ben sur Insta, c'est pas facile que, que les gens voient nos, pos nos posts. Là. Bon, faut dire que moi, ça fait une éternité que j'ai pas rien posté. Là. Ah, ben c'est ça, c'est ton blog. Voilà, je me trompe pas. Je me trompe pas de personne, c'est ça. Je me disais, il me semble qu'elle a un blog. <laughs> Hey, son blog est vraiment cool, ça vaut la peine de, de suivre. Ouais, 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 Julie, t'as raison, c'est très... C'est aléatoire. Puis en plus, il, en tout cas, moi, mon instinct me propose tout le temps des, des vidéos, tu puis j'en ai rien. Je veux dire, je dis des vidéos, mais c'est des reels, là. Puis je veux pas être plate, là, mais euh, c'est pas des reels de colo. fait que je, comme j'en ai. Euh, je m'en balance pas mal. Et au lieu de me montrer des photos, ils me montrent des reels. Puis moi, je n'aime pas ça. Ah ben c'est bon Manon, merci d'être passé, comme d'habitude, toujours plaisant d'avoir euh, ta présence. Oui bon c'est bon, je me trompe pas. Oui non c'est très utile son blog. Euh... J'ai pas de problème à ce que vous parliez de ce que vous faites hein, sur, sur, euh, sur mes lives, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est ça. On est assommé par les pubs, puis aussi par les, les posts spo sponsorisés qu'on veut rien savoir de voir, là. Que c'est pas ce que je veux voir, moi. C'est même pas des pubs qui fitent dans mes, dans mes goûts à moi, en plus, Insta. Ah ben, vas-y, Narcisse. Je, je te donne... Euh, vas-y. <laughs> je vais en faire sur mes, sur mes tutos, le Let's Go. Je sais que ça me fait plaisir. c'est ça c'est les, les, les reels inutiles qui, qui polluent mon pour une photo t'as genre deux reels puis je suis comme mais c'est tu sais je veux pas comme la communauté colo on fait rarement des reels puis en même temps c'est correct parce que ben pas que c'est correct mais moi j'aime pas ça pas ça qui m'intéresse moi j'aime ça regarder la photo puis le, le, regarder qu'est-ce qui a été fait les couleurs choisies et tout j'en ai rien j'suis... Je m'en fous des rires. Je sais que Instagram, en ce moment, ils posent vraiment ça, mais comme ils ne comprennent pas que leur, euh, leur base euh... veut rien savoir de ça, en fait. Ouais, je savais même pas Julie. Je vais aller regarder ça. Je ne je, je savais pas. Oui, ben ce que, que je vais essayer de faire, euh, Cristalie, c'est au mois de novembre de préparer, de, de, de concocter un peu tout ça, puis de vous le proposer au mois de décembre. Ou comme fin, fin novembre, début décembre, si j'ai le temps. Ça, c'est comme... Si ça fait comme euh, les derniers mois, peut-être que j'aurai pas le temps, mais j'aimerais ça vous le proposer, euh, le, de, 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 de commencer ça bientôt, puis de vous le proposer euh, en décembre. Ah, ben c'est cool! Effectivement, Maudine! Oui, ben oui, effectivement Narcisse a raison. Ouais, ouais, ouais. Sur sur YouTube et Facebook c'est la même chose. Oui, ils m'ont déjà parce que moi je bloque les, les les ads sur toutes mes pages puis euh, YouTube veut plus que je bloque mes ads veut que je paye pour pas avoir de ads puis moi je, je... c'est non là facile là. J'ai trouvé une alternative si jamais on a que ça intéresse. Mais... Qu'on ne peut même plus avoir du plaisir pour le, 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 le contenu qu'on veut regarder. C'est par exemple là, euh, pour les lives euh, en ce moment. Avant, je pouvais actionner la, la monétisation. Puis je pouvais choisir qu'il n'y ait pas de live, de, de, de pub pendant mon live, ou que ce soit avant, au début, puis à la fin. Okay? Mais là, maintenant, ils me disent, euh, faut que tu choisisses aléatoirement qu'il y ait des, euh, des ads, des pubs, dans le milieu de mon live. Mais je ne veux pas, moi, qu que, que vous soyez arrêtés par une pub pendant, qu est en train de, pendant que je suis en train de colorier. J'ai plus vraiment... J'ai moins d'options. C'est soit l'option que je vous donne plein de pubs. Ou de façon aléatoire ou que je vous donne une ou deux pubs que je choisis quand, mais je sais pas combien de temps mon live va durer. Bref, tout ça pour dire que je trouve ça vraiment ridicule. Fait que j'ai enlevé ça, j'ai enlevé les, la monétisation, mais comme on veut pas être harcelé de pubs non plus. Là. Non, mais je suis d'accord, bien. Mais j'ai trouvé. Euh... Ouais, c'est ça, Narcisse, ouais. Mais j'ai trouvé une, une façon pour les bloquer, là, si jamais. Je, je, je veux pas non plus le dire sur YouTube, là, mais de façon gratuite. Fait que... Oui, ben c'est ça, c'est parce qu'ils ont changé en plus YouTube, leur façon de présenter les... les de mettre les, les, les ads, puis je sens que j'ai moins de contrôle sur les ads que je peux mettre sur mes vidéos. Ça, ça, avant, je pouvais choisir un, je pouvais choisir le moment. Là, j'ai de la misère à, à faire ça parce qu'ils ont changé leur façon de fonctionner. C'est déplaisant pour moi et pour vous aussi. Là. genre Vous n'êtes pas là pour regarder des, des pubs, là. vous êtes là pour regarder ce que je fais. Là. C'est comme mon, mon copain me disait, était comme, tu sais, ils, ils, ils vont nous demander de payer pour, par exemple, là, YouTube, il veut, te demander, il veut que tu payes pour pas que tu de pub. Mais là, il dit probablement que, tu sais, dans un an ou dans six mois, ils vont se ils vont dire, bien, ceux qui payent un prix, le prix régulier, ils auront quelques pubs. Puis il va avoir un, un, un premium pour avoir plus de pubs. Tu sais, il y a comme plus de fin à ça, là. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, moi, ça me permet d'avoir un petit gang de pain à, à, la, à, la fin, à la fin du mois. Mais c'est que je veux pas non plus euh, harceler les gens avec des, des milliers de pubs dans les vidéos, tu sais. C est, c est, c est, ça reprend un juste milieu. Puis je trouve que YouTube, ils nous permettent pas nécessairement d'avoir. Euh, ça, avoir le contrôle sur ce qu'on veut que notre audience euh, voit. <laughs> Je suis d'accord à C'est tellement son narcisse. <laughs> Oui, ça te permet. C'est ça, mais moi, tu sais, comme moi je fais justement, c'est tu peux le faire attention là quand tu les mets. Moi, c'est vraiment important, là. Puis euh... Puis, tu sais, comme je, je, je permets l'option aussi de pouvoir les skipper, là, parce que moi, c'est ce que j'aime quand je regarde des vidéos, c'est si tu peux les skip. Mais effectivement, ça, ça, ça donne une contrepartie financière, ça, je suis d'accord. Mais il faut pas que ça en aille comme euh... qu'il en aille euh, beaucoup, là. Ah euh, ouais, non, normalement, les chaînes pour enfants ne devraient pas être monétisées. Karine. <laughs> Je suis un peu jalouse, par contre, parce que ça, c'est un de, de mes repas préférés en plus que tu es en train de faire. Là, en plus, tu me parles de la nourriture, Karine, là, puis j'ai faim. Peux-tu m'en venir chez vous puis euh, manger ta euh, ma soupe? j'ai déjà presque fini mon colo, je suis tellement contente. <laughs> Ça va être mon premier colo du mois de terminer. <laughs> oui, c'est ça. Les... Amandine qui, qui, qui a la COVID, moi qui est enrhumée, let's go, ça nous prend une soupe. On se fait un parti euh, chez Karine. COVID qui reprend de plus belle un peu partout. J'espère juste que ça va pas euh, qu'il n'y aura pas des restrictions euh, ou que ça ne va pas empêcher parce que moi là, ça fait deux ans que je peux je, je vais pas euh, voir ma famille euh, à Québec en raison de, de la COVID. J'espère que cette année euh, je vais pouvoir euh, le faire. Merci Amandine. Oui non j'ai, je... je suis vraiment contente. C'est rare que je sois autant. Il me semble que c'est rare que je sois autant euh, contente de ce que je suis en train de faire, mais j'ai beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça, ça a l'avantage de réchauffer. Moi, j'ai froid en ce moment. En plus, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, ils vont dire que c'est pas nouveau. J'ai toujours froid, mais euh, j'ai pu mon café pour me réchauffer. Ah, oh, c'est tellement... C'est tellement c'est tellement bon. Bon là, il va falloir qu'on commence à penser, je dis on, mais que je commence à penser à comment je fais mes. Quelle couleur je fais mes algues? Mon copain il était genre. Hier il était comme ben, bleu. Mais c'est parce que pas mal déjà ce que j'ai fait, bleu, partout. Il me semble que ça ressortira pas, je sais pas. Des fois, il y a des bonnes idées, mais je sais pas. Là, il, me semble que là, euh... il me semble que là. Il me semble que là, il ne l'avait pas. Moi, les deux fois que je l'ai eu, la, la COVID, euh, c'était assez. Euh... C'était assez léger. Ça n'a pas duré très longtemps. Les symptômes, là, Ça a duré genre deux, trois jours. C'était fini après. j'étais encore. Euh, J'avais encore euh, la, on dire la charge virale, mais sinon, euh, j'ai été chanceuse. Je suis chanceuse aussi de pouvoir faire du télétravail, fait que ça a comme pas trop affecté, euh... affecté ça. Ah, oh, mon dieu, Julie, waouh! C'est génial ça, moi aussi. Ça va être ma couverte chauffante tantôt. <laughs> Violet foncé ou comme les cheveux? C'est beau, hein? Ouais, j'ai eu la perte de goût, moi aussi. Euh... Ben, c'était pas vraiment une perte de goût, mais il y, a certains... il y a certains aliments que j'étais... Ça, 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 ça marchait pas, là, ça goûtait rien, tout ça. Mais comme... C'était pas tous les aliments. Mais c'était pas... C'est ça, j'avais pas de plaisir à manger. Mais ça a pas duré longtemps. Ouais, ben, c'est ça, moi, j'ai... C'est début de semaine. J'avais beaucoup de, de tout. Et tout, mais là c'est juste euh, j'ai vraiment un rhume là, mais c'est pas si mal que ça. J'ai été chanceuse là aussi. Je change mon nuancier pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Passons quand même de l'avant, mais on veut garder, je veux garder quand même l'aspect style monochrome. comme les cheveux. Bon, je vais finir ça. Ah ouais non ça c'est pas chamandine c'est la saison ouais ouais mais ça paraît hein, tu sais je veux dire l'école est recommencée euh, il y a plus de il, fait, il, il y a comme plus de maladies qui qui se qui se transportent plus facilement je dirais Ah, ben, je te comprends, Karine. Je te comprends. Oui, euh, ça, Amandine, ça, c'est. Ça, c'est. Ça, ça, ça t'as raison. Manger, c'est. Mais c'est un plaisir de la vie assez extraordinaire. Quand tu peux plus avoir ce plaisir-là. Non, ça, c'est vraiment triste. Mais c'était Oui, c'est vrai, t'as raison, mais peut-être que c'est pas la C'est peut-être juste la, la, le rhume. La grippe, en fait. Ah, c'est ce que je disais, les enfants. C'est une. C'est ça, c'est. C'est souvent eux qui amènent les. Les bébites. Mon copain, il travaille. C'est lui qui ramène les, les virus. Il travaille avec des enfants, fait que. Et sinon, moi, j'aurais pas contact avec virus, mais lui, il arrive, il est tout en... Il, il pogne le, le, n'importe quoi, puis il me donne ça. C'est comme... C'est à cause de lui j'ai eu la COVID. Hein, parce que c'est lui qui l'a eu. C'est pas drôle, mais c'est drôle la façon que je l'ai lu. <laughs> oh non! Ah, euh... oh, t'es chanceux, Julie! En même temps, c'est des ados peut-être qui sont moins euh, portés à toucher. Ben en fait sont moins portés à toucher à toutes comme, euh, comme des enfants. bah oh ben, c'est ça. C'est ça, j'y <laughs> okay. Coquet. C'était 100% à cause de, moi, c'était 100% à cause de, 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 de mon chum qui ramenait la Covid à cause des enfants. Je, je, je comprends Amandine, je comprends genre sans électricité tout comme tu peux pas euh, c est, c est, c est, ça me fait penser je sais que c'est pas c'est pas pareil mais ça me fait quand même penser euh, au verglas quand il y a eu le verglas ici puis qu'on était euh, sans électricité là avec le avec le froid qu'il y avait là Ouf! c'est vraiment pas cool ouais c'est ça, ok. Fait que les, les, les ados sont autant, autant pires que, euh, que les enfants. Oups, excusez, j'ai accroché mon micro. Ah, t'es chanceuse? <laughs> Effectivement, il est chanceux. <laughs> J'imagine que vous n'avez pas de génératrice être ouais, en mesure de garder, mettons, votre euh, frigo ou euh, quelque chose comme ça. Désolée, euh, je, je, je me mets une autre couche parce que je, je suis gelée. Ouais, ben C'est bon, Narcisse, merci d'être passé. Merci, merci. Donc là il faut figure out ça. Je pense que je pense que je vais faire. Ouais vous avez raison. On va y aller avec euh, pour ça ici au moins. On va y aller avec les couleurs euh, rouges que j'avais utilisées pour euh, les cheveux. Effectivement, je sais pas comment t'as attrapé ça. Moi, les, les seules fois que je sors, je, je en fait, c'est rare moi aussi que je sors, fait que je sais que c'est mon copain qui, qui revient avec les, les, les cochonneries. Ouais, Vous avez tu doté, c'est ça, c'est poche. Vous avez aucune idée quand est-ce que ça va revenir. C'est nul. C'est quoi, il y a quelque chose qui est brisé puis qui sont pas capables de réparer rapidement ou? Moi, j'ai vu, vu sur Instagram qu'il y avait d'autres personnes qui avaient plus d'électricité qui étaient dans cette région-là. Oui, c'est clair, ça fait des bruits de fou, mais au moins, des fois, ça permet juste de d'avoir quelques affaires euh... Envie. Genre euh, le frigo ou juste faire fonctionner quelques appareils. Oui, oui, moi aussi, je, je détesterais ça. Si si, euh, fallait tout jeter parce que ça fait quatre jours que... qu'on est en manque d'électricité. Ah, pour ceux, je ne l'ai pas mentionné, mais pour ceux qui veulent savoir les couleurs que j'ai choisies pour le, le genre de rouge des saturés, là. En fait j'ai utilisé un, un brun. Un brun... Euh, un brun rouge. J'ai utilisé un, un brun... Un brun rouge, en fait, comme ça. Je sais pas s'il est brun, mais j'utilise souvent dans mes bruns orangés. J'ai utilisé euh, celui-là. J'ai utilisé un, un rouge euh, comme. Euh, qui est un peu euh, pâle. Et ça me permet d'avoir euh, un genre de couleur comme ça de bourgogne rouge, un peu désaturé. ouais c'est clairement là c'est c'est pas une petite tempête là ce que j'ai vu là c'est fou ça ce je te dis je disais que ça me faisait penser un peu euh, au verglas Bon, ça c'est fait. Ouais, je pense que vous avez raison. Je vais les faire la même couleur que mes cheveux ici. Ça va, ça, ça va avoir un lien, ça va leur sortir. C'est la sirène du, euh, du lac euh, un peu euh, vasu ou la rivière. Euh, c'est pour ça que c'est toute la même couleur. Je pense que ça peut être cool. Non mais oui, c'est intense quatre jours là. Puis si c'est pas tout de suite réglé, euh, c'est intense cinq jours aussi là. Ah ben t'es chanceuse Fabienne, hey, c'est incroyable Léva. Ce serait le chauffage qui serait une problématique moi que comme je disais qu'il y a toujours froid là. Ouh. C'est euh, pour ça que je disais. Euh, je me répète, mais ça me fait penser, ça me fait penser au règles là où justement il faisait fret. Ça n'avait même pas de bon sens là, sans l'électricité. C'était. Euh, c'était euh, assez incroyable. J'en suis, il y avait on avait un petit foyer, mais euh, c'était quand même pas. Euh, c'est quand même pas le fun, justement. Puis l'électricité, puis rien. Euh, mon Dieu, 21 mètres de haut. Ah non, c'est fou, la température euh, est, est incroyable. On est, on est vraiment dans des extrêmes, euh, c'est fou. Puis, genre, je trouve ça plate parce que, justement, probablement que ça, ça, ça va continuer à nous donner des extrêmes comme ça. As jamais man... Tu manques pas d'électricité, Sonia? T'es où? <laughs> bien colorier jolie lampière. Moi, dans ces moments-là, j'essaie, je, 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 je dors. <laughs> C'est dans les seuls moments où je suis capable de dormir, de bien dormir pendant plusieurs heures. Oh mon Dieu, c'est incroyable, Béa. Je savais pas qu'il y avait eu des blessés. Il y a eu un décès. Ah ben c'est clair. C'est clair, Karine. Ah moi c'est vrai, c'est. ça. Justement, comme j'ai rien d'autre à faire, ben je, je m'endors. J'admets que ça peut être stressant, mais moi. C'est dans le seul moment que je suis capable de bien dormir. J'ai moins de stress. Surprenamment. génial ça. c'est trop cool, le tient. C'était bon, tu t'es bien organisé. La dernière panne d'électricité que j'ai eue, c'est un camion qui a accroché euh, le poteau chez nous. Ça a pris foule de temps à réparer. Ouais, c'est ça, Amandine. dit ça... En plus, c'est au nord du Québec là. Oh, on elle va avoir des belles vues. Ah ben oui, clairement. Clairement, euh, Julie. Ouais, c'est la 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 tristesse du métier, j'irai. Le, le pompier. Là. Et bien contente de finalement de la couleur ça raccorde encore plus le truc mais juste faut manquer à faire ouais 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 hein? on dirait que ça, ça 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 va rejoindre encore plus ça raccorde encore plus la, la sirène avec le, le fond le reste je trouvais qu'elle était je l'aime mais je trouvais qu'elle était peut-être un peu par rapport avec le reste mais là ça ça bien comme tu dis Julie Rebonjour, euh, Claudia. Merci, Karine. Merci. Vous êtes trop gentilles, les filles. On Tu dois te demander euh, Nadia, c'est quoi, c'est quoi que te prévu comme colo euh, pour tantôt Ou bien c'est une surprise C'est bien aujourd'hui le live que tu fais, oui. J'ai envie de faire les bulles. J'ai été, j'ai décidé de faire ça simple les bulles. je m'avais vu colorier par dessus, sans vraiment euh, faire attention aux bulles. Puis après ça, j'ai décidé d'utiliser le prisma blanc. Puis je vais venir l'ajuster au euh, avec euh, le l'humour color blanc. Puis un peu de Posca. Ça fait ça en fait. C'est très, très, très léger. C'est une surprise. Oh. Je pensais que j'allais on allait pouvoir avoir un scoople C'est décevant. Ah. <laughs> Ouais, ça risque d'être... ça de bien. <rire> oui. <rire> je pensais qu'on était qu'on était proches puis que j'allais pouvoir avoir un scoop, mais bon, clairement non. Il va falloir que je je regarde. De toute façon, j'allais regarder, mais. <laughs> Je pense que c'est ça, c'est 9h heure française, Karine ou euh, 3h heure euh, du Québec. Merci Débou. Merci Sonia. Ben oui, ben voilà, c'est ça! C'est décevant! Ouais, ben c'est ça, ça risque d'être cool, Karine. Que ça risque, je, je tiens à dire que ça risque de jaser, pas mal. Ça va, oui effectivement. <laughs> C'est ça. Ça aurait été plaisant d'avoir un, un scoop. Euh, c'est quand avec Zazu? Je pense c'est ça, c'est à 9h sur la chaîne de Zazu. Je suis juste déçue d'être. Bon, toi aussi? Bon! <laughs> oh. Comme disait tantôt, tout le monde est pas mal dans ce, dans ce, cette problématique-là. que tu seras pas tout seul. Mais je te comprends. On voit plus mes bulles. Pas très grave. Ouais, mais ça aurait été bien, tu vois monine, J'aurais adoré. <laughs> c'est oui, euh, c'est ce soir euh, bien. Oui, ben c'est pour ça, je suis vraiment, j'suis vraiment intriguée, c'est ça là. Genre euh, c'est une cachette là. Je suis vraiment triste. J'aurais vraiment eu euh, aimé savoir l'exclu. <laughs> ben let's go let's go on s'en va on s'en va investiguer le tout parce que là c'est un peu euh... Oh, moi, je suis un peu déçue. <laughs> On a le droit de te poser des question questions, Claudia? On va commencer à être des, euh, des enquêteurs. Est-ce que c'est un, un colo que tu as déjà commencé, qu'on a déjà vu? Probablement pas. Est-ce que c'est un colo que tu as déjà commencé <laughs> C'est beau. <laughs> ah c'est, C'est pas drôle mais c'est drôle. Faut que tu commences... Oh non... Fait que j'ai aucune idée c'est quoi. <laughs> oui, c'est ça! À un moment donné, s'est retenue, puis le déballe arrive, puis comme, let's go! <laughs> elle arrive là, en plein... Euh... Tu on se l'imagine bien, là, en plus, là. <laughs> Oh, c'est un de tes dessins? Euh... Bon, Amandine, let's go. Elle, euh... elle c'est euh, elle, elle, elle une méchante bonne euh... enquêtrice. Elle a déjà tombé sur le... <laughs> sur le bon dessin. Le bon thème, en fait. Oui, il reste plus que 2, 2h10 à attendre. <laughs> oh, putain. <Dieu. rire> Tu vas tellement rire en ce moment. Oh. <laughs> non, mais vraiment, toi, t'es tombé en plein dans le mille. Hein? C'est ça ton secret, Amandine, c'est ça, je comprends. Ah, vous êtes parties, les filles. C'est ça dans le sang. Ah, j'en peux plus, là un effet slime sur le goût. C'est la technique. Ah. Des bouchons. C'est excellent. Et sans ça, oh non filles. vous êtes partis, hein C'est la surenchère. Vous n'êtes pas croyable. Franchement, là, les filles. On va être déçus si ça si, si on l'entend pas ton rhume, Nadia. Là. On espère quelque chose. C'est bon Julie. Bonne, euh, bonne, fin de, euh, bon, bonne fin de journée. Merci d'être passé. Mais je, Moi aussi, je vais devoir vous laisser bientôt. L'appel euh, euh, du repas, moi aussi, me. Mais... Je, J'ai je, vraiment besoin d'aller manger, en fait. Je finis cet acte là puis. Euh... Je vais vous laisser. On va anticiper de le live enrhumé de, de tantôt. Belle. <laughs> Merci d'être toujours là, hein, Julie, euh, Vraiment, ça me fait toujours plaisir de voir euh, que, tu sois, que tu sois au rendez-vous. Oui, Amandine, c'est ça. C'est que la Nadia est moins perturbateur. Ben, Nadia, moi non plus, j'ai pas fini, hein. J'ai commencé lui à la place de finir lui que j'ai commencé. Il y a personne qui est surpris ici. Personne. Je pense que si tu m'avais dit, Nadia, que tu l'avais fini, je pense que j'aurais été euh, choquée. Quoi que tu colories plus vite que moi en ce moment. Oui, hein, c'est vrai. Hein, pour une fois que c'est une preuve qui perturbe le groupe, c'est ça. En plus, moi j'ai jamais fait ça euh, perturber un groupe. C'est euh... plus l'élève qu'on oubliait. Je parlais pas beaucoup. C'est une prof. Oh. Génial, le Oh mon dieu, Mel, pour vrai? Franchement. C'est intense. Il oh boy. Vous êtes partis les filles. <laughs> Bonne soirée Fabienne, merci d'être passée. C'est toujours, toujours un plaisir. Merci. j'ai euh, fini mon algue. juste à changer mais oui mais ça ça hein ça, ça, euh, Nadia moi ça me perturbait parce que moi je suis une personne qui euh, que je sois toujours à la même place euh, je faisais toujours les mêmes choses la même routine tout ça puis euh, ça ça me perturbait changer de place ça, je, je comprends tes élèves je suis comme ça même à l'université j'étais toujours à la même place euh, au cégep aussi euh, c'était euh... Sinon, c'est un élément perturbateur, là, changer de place. <laughs> mais juste les cho mes choses qui ne se font pas placer non plus à la même place que d'habitude, ça me perturbe. Que... Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Je l'ai presque terminé. Il me manque juste quelques petits détails. Puis le fond, mais le fond, comme je vous dis, probablement que je vais le faire aux encres aux encres de stress que ça va être la façon la plus simple parce que je veux pas euh, comme je veux pas que ce soit trop la même couleur de toute façon puis je veux que ça ce soit plus foncé fait que je pense que je vais aller juste un, un léger euh, angle distress euh, comme ceci pour vraiment donner l'ambiance euh, un peu au sale un peu euh, pour garder un peu cette ambiance là je pense que je pense que ça va être ça ouais je pense que je vais faire un contour comme mon... ça ne l'a pas imprimé sur le 8,5 par 11 euh, au complet. Je vais me faire un contour aussi pour venir vraiment comme faire euh, un beau cadre au colo. Je pense que ça va être. Euh... Voilà. Oui, mais c'est ça, Jennifer, oui, c'était très facile euh, de savoir quand je absente, mais je ne l'étais pas. J'étais euh, très, euh, très, très euh, studieuse et toujours euh, présente. Ouais. mais je, je, je dérangeais pas moi j'avais toujours un livre sous la main puis je, quand j'avais fini de faire mes trucs je lisais mais à cause de ça les profs ils me mettaient à côté de de, de, de garçons Bien, je dis les garçons parce que dans, dans, dans mon groupe c'était tout le temps les mêmes, les mêmes garçons ils me mettaient à côté d'eux eux, eux qui, étaient, qui étaient des perturbateurs de classe pour que j'essaie je, de les calmer tu sais. mais ils me perturbaient plus qu'autre chose Merci Amandine. Je suis contente qu'elle t'apprécie quand même. C'est hein, comme ton image. Même <laughs> aussi, je vous laisse. Bye, des beaux. Bye, Sonia. Merci d'être là, là. Merci d'avoir été là, tout le monde. Vraiment euh, super contente. Puis pour, pour certaines, on se retrouve euh, sur le live. Euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir euh, me pointer, mais je vais venir faire un petit coucou sur le live de Clanadia avec euh, Zazou. Euh, donc euh, bonne fin d'après-midi, ben bon après-midi pour les Québécoises, puis bonne fin de soirée à les Françaises. Euh, on se retrouve demain en vidéo. Comme je vous disais, j'ai une vidéo. On se retrouve demain en vidéo. Et puis euh, merci encore une fois d'être présente. Merci de regarder. Merci de liker. Merci toutes. Je suis en retard dans mes commentaires. Euh, je le sais mais je vais vous répondre, euh, ça devrait être pas trop long. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, merci encore. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo.